Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pas encore ouvert les volets, hein. Il y a un vorace qui est en train de dévorer ses croquettes en dessous. Si vous entendez du bruit, c'est ça. Le sapin installé. Mais j'ai un petit doute parce que les lumières sont vraiment très faibles. Surtout, je m'en suis rendu compte hier quand je regardais la télé. C'est un jaune très étrange. J'en ai peut-être pas mis assez, mais le problème c'est comment tu veux remettre ça, toi? Parce que c'est la première chose que j'installe, la guirlande. Ou alors j'en remettrai une un peu du même genre par-dessus, je sais pas. Je trouve que c'est assez sombre, regardez. J'ai allumé que ça, hein, justement, pour que vous voyez. C'est une 160 LED et 160, ça suffit peut-être pas. Je vais voir. Peut-être rajouter une guirlande dans les mêmes tons. Je sais même pas comment ils le définissent, c'est chez Action. Peut-être en reprendre une. Par contre, cette déco, j'adore. T'as bien mangé? Je vous l'avais déjà dit ou pas? La planquette de Jack, c'est sous ce tapis. Donc en général, c'est les cotons-tiges, hein. Et là, depuis quelques temps, c'est le masking tape que j'ai dans mon bureau. Il va me le chercher. Il le glisse, vous voyez? Ça fait une bosse. Qu'est-ce que t'as mis là? C'est à maman, ça? C'est pas à toi, mon Jack. Non, c'est à moi. Ça y est, l'aménage de la cuisine est fait. La vaisselle tourne. Je vais me faire mon petit café. Je vais monter bosser. Il me semble que je l'ai encore jamais utilisé, cette tasse. Elle est mignonne, elle n'a pas l'air bien pratique quand même, mais mignonne. Et bonjour le bureau. On va s'allumer le petit ordi et c'est parti. Et j'étais en salle de bain me laver les mains, je vais vous montrer. Et voilà avec quoi je l'ai trouvé. Il est en train de jouer avec la rose, une rose déco que j'ai eue en parfumerie. Bah ouais, c'est bien. On ne touche pas. Allez. Non, 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 c'est à maman. Ce n'est pas à Jackie. Bon, ça y est, je suis prête. Je vous avais dit que j'allais tester la palette Givenchy. J'ai déjà testé une couleur, on va dire une couleur et demie. Vous allez voir pourquoi. Je vous montre déjà la superbe boîte. Elle est comme ceci. Ça fait comme un effet cuir sur le dessus, je trouve. Et à l'ouverture, donc on a le miroir, deux petits pinceaux. C'est donc la palette Midnight Skies et on a quatre couleurs. J'ai testé ce matin celle-ci et j'ai mis juste un tout petit filet de rouge. Les autres, j'ai hâte, et notamment le vert, parce que j'ai beau avoir les yeux bleus, mais je suis sûre que je peux faire un truc très sympa. Alors, je vous montre. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait ressortir le bleu des yeux. Elle se travaille très facilement. Enfin, en tout cas, ça ne tombe pas du tout. Et surtout, bah, je trouve que ça rend super bien. On est d'accord, non? Oh, j'adore. Pour les fêtes, il va être canon. Franchement, je remercie Givenchy et Octoly de me l'avoir envoyé gratuitement. Sur ce, je vais descendre, il est 10h, boire mon café et puis filer à Action pour acheter ce que je vous ai dit, quelques petits éléments. J'anticipe, je ne suis pas encore partie chez Action, je vais y aller. Je prépare en fait la pièce où je vais tourner, donc commencer à connaître, hein, l'installation, les éclairages, l'appareil photo, enfin ça prend du temps. Comme ça, quand je rentrerai de chez Action, j'aurai plus qu'à me poser. Hop, on appuie sur On et c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Comme d'hab, je réinstalle tout. Pendant que je suis là, est-ce que... Ouais, je sais pas si je vous ai montré. Finalement, je l'ai mis là. Ma petite cloche cactus. Ça fait vraiment la cloche de La Belle et la Bête. Elle est très très jolie. Je l'avais nettoyée, hein, parce que je vous avais dit, elle a de la poussière. Et mon petit renard, bah écoutez, je l'ai mis là. Je trouve que c'est super mignon. Alors ça, c'est le genre de petit détail qui a tendance à m'agacer à chaque fois, il s'en mêle. C'est fou. Pourtant, je l'enroule. Voilà, c'est fait. Cette petite plaisanterie m'aura pris 15 minutes. Et je peux vous dire que 15 minutes, c'est très précieux quand il commence à faire nuit à 15h30, 16h. Et comme d'hab, le petit rituel quand on passe devant cette glace, bah, on dit bonjour. Et on se recoiffe aussi. Oh là là. C'est pas possible. Il est déjà midi. Ça va que Action, ça ferme pas entre midi et deux, mais je voulais voir Eric quand même. Bon, de toute façon, on y va. Ça sent la friture à fond. Ah mais oui, il y a McDo qui est juste à côté, c'est sûr. Ce sont des petites cartes postales, c'est super original en fait. Et en plus c'est un format assez épais, j'ai l'impression. Bah ça, je trouve ça très mignon. Vous avez vu le prix? Ça rend super bien, je suis sûre. Je me suis choisi deux jolis bols que vous verrez dans mon haul. J'aime bien aussi ce petit format, c'est super mignon. Regardez ça, c'est assez original. C'est pour mettre tous les bijoux. Et en plus, on peut écrire.
bah, apparemment on peut faire dessus. Sympa. Il vient de se passer un truc dans le rayon des peaux de bêtes. On a failli se battre. J'avais quatre petites peaux de bêtes dans les mains. Il y a une dame qui dit « Oh, faites voir !» Elle me le prend des mains. Puis elle continue, elle dit « Pour faire un petit manteau à mon chien. » Mais elle me l'a pris en fait. Et bah, j'attends, en pensant qu'elle allait me le redonner. Et bah non, en fait. Et à la fin, bon, elle l'a pas voulu parce que c'est le coloris qui lui plaisait pas. Mais genre, si ça lui avait plu, elle me l'aurait pris. C'est abusé quand même. J'adore cette bougie, elle est très très grande, hein. Regardez, par rapport à ma main, elles sont belles je trouve. Mais moi je les allume pas, hein. C'est très toxique, hein. J'allume que des bougies qui sont naturelles. Bon allez, on est au rayon des petites lumières, ce que je voulais. Vous aviez vu? Je savais même pas, on peut appuyer pour voir. C'est fou ça, j'avais jamais fait gaffe. Bon, bah, c'est bien pratique en fait. Qu'est-ce que je prends? Je sais pas du tout. Je viens à l'instant d'arriver, comme vous pouvez le voir. J'étais surprise de voir Eric, mais on est mercredi. Donc il reprend pas les cours, ça c'est bien, je vais pouvoir profiter de lui. Un petit peu. J'ai faim par contre, il doit être 13h30. Je mange et je me mets tout de suite au tournage. Sinon, ça va pas le faire. Bien évidemment, si Jack me laisse travailler, parce qu'encore une fois, il arrête pas de pleurer. Je vais vous confier un truc que j'ai décidé de faire. Je vais essayer. Je veux, mais vraiment, limiter le sucre. C'est n'importe quoi en ce moment. Bon, je sais que c'est pas la meilleure période avec les fêtes, mais je veux limiter un maximum. Jack, je dis pas arrêter totalement, parce que je pense pas que ce soit bon non plus, hein, même pour la tête. Donc, limiter énormément. Ça va, ça se passe bien? Tu descends, s'il te plaît. Je n'ai vraiment aucune autorité avec ce chat. Je vais monter tout ce que j'ai pris pour faire le haul action. Je vais me changer parce que ce pull là, ce petit pull on va dire de Noël, je crois que je l'ai utilisé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc autant me changer. Je me change et j'enchaîne. Ça y est, j'ai changé de tenue, j'ai mis cette robe qui n'est pas du tout de saison, mais je l'adore cette robe. Me demandez pas où je l'ai eue. Je sais où je l'ai eue, mais elle date d'il y a au moins 12 ans. 13 ans, c'est dans une autre vie. Je l'avais eu à Deauville. Je l'adore. J'ai terminé mes prises, je vais aller visionner pour voir si jamais il faut que je retourne, s'il y a des problèmes. Tu es retourné sur ton petit coussin. Tu es très sage, c'est bien. C'est bon, il n'y a pas de bug. Il faut absolument que je me dépêche. Je vais faire tous les visuels, monter ma vidéo. Je veux absolument que vous l'ayez pour 18h. Ça y est, j'ai terminé. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer ça, mes petits tapis, quand je vais les installer. Ça va être très sympa, je suis sûre. Voilà la petite robe. Alors bien évidemment, j'ai mis le pantalon en dessous, hein, parce que ça caille. Elle est super sympa. Je crois qu'il y a une ceinture, normalement. Et ouais, les motifs, ça fait un petit côté russe, je trouve. Das Vitania. Yes, we are Russ. Je suis toujours en plein montage. Il est 3h30. Et voilà, j'ai envie de sucre. Il faut pas que je craque. Et bah là, je m'apprête à mettre tous les prix. J'ai remis ma robe de chambre, j'ai froid quand je bosse. D'ailleurs, j'ai les mains gelées. Je suis en train d'uploader, donc c'est cool, vous aurez votre vidéo à 18h. J'attends, je vérifie si c'est bon. Et puis après, je vais voir au niveau des petits tapis si je peux les positionner là où ça sera le mieux, en fait. Et il y a un truc que je devrais faire. Il faut absolument que j'aille chez l'opticien. Ça va me passer à côté, mes fameuses lunettes... À 1 euro, ma deuxième paire, parce que c'est dans le mois, donc je sais plus. On est peut-être à 3 semaines, là. Donc, j'aurais vraiment les boules si je peux pas avoir ma deuxième paire à 1 euro. Je vous montre les coulisses d'une photo Insta. Alors, tu vois, Jack, il y a un petit champignon. Tu vas te mettre juste à côté. Voilà. Il va arriver, il va tout casser, Jean. Écoutez, la lumière, elle baisse trop, ça va pas être joli. Je vais voir avec les photos que j'ai. Il y en a peut-être des sympas. Je vous reprends que maintenant parce que j'ai voulu m'avancer ce soir sur mon vlog de façon à ce que demain matin ce soit pas trop la course parce que demain après-midi j'ai un truc à faire avec une amie et je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc dans le doute je préférais être libre. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau vlog. Salut !